Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à tous et bienvenue au 177e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous faire les présentations de l'UFC 289 le week-end prochain à Vancouver au Canada, avec le retour de Nassourdine Imamov mais aussi de Charles Oliveira dans la cage. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Bacardi. Bonjour. Salut Alex. Et on va parler de ton combat quand même en fin d'émission. On parlera de ce qui s'est passé. Ouais. Déception forcément, je te connais. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Et on est ravis d'accueillir, c'est pas la première fois, mais voilà, ce sera pas la dernière non plus, parce que c'est toujours un plaisir. Analyste, commentateur, ancien coach, manager, notre ami belge, monsieur Chris Guénacht. Comment ça va, Chris? Salut tout le monde, ça va très bien, merci. Eh ben, ravi de t'avoir avec nous pour parler de cette UFC 289. Le MMA français se remet à peine de la frustration de ne pas avoir vu Saladin Parnasse combattre dans l'incroyable cadre du KSW Colosseum 2. Mais il faut déjà se tourner vers une nouvelle échéance dans un mois qui n'en manquera pas. Ce samedi à Vancouver, Canada, Nassourdine Imamov est de retour dans la cage pour un choc très attendu face à Chris de Action Man Curtis sur la carte préliminaire de l'UFC 289. Battu par Sean Strickland en janvier pour son premier main event à l'UFC, le sniper du MMA Factory a depuis été opéré à la cheville avant cette échéance où il jouera gros puisqu'il pourrait quitter le top 15 du classement des challengers de la catégorie des moyens en cadre vert. Un événement également marqué par le retour de Charles Oliveira, l'ancien champion des légers, pour un combat qui pèsera lourd dans la catégorie face à Ben Eldariush. Le RMC Fighter Club fait les présentations de l'UFC 289. Il s'approchait du sommet. Sourdine qui court et qui passe dessus. Elle est là, on peut surmonter. Ça c'est fait. Bonne position. Il va faire du dégât. C'est magnifique. Et la Sourdine est là. Il est en train de la plaquer. Son élan a été brisé. Prend de plus en plus de coups, Nassourdine, ça devient compliqué pour lui. Mais jusqu'au bout Nassourdine. Et regardez Strickland qui continue, il reste agressif jusqu'au bout. Et il va s'imposer, Sean Strickland. Sean Strickland. Voilà, sans surprise, Sean Strickland qui s'impose par décision unanime. Un nouveau combat pour tout relancer. On va revenir plus fort. C'est son moment, c'est son occasion. Face à un adversaire sans faille et surtout sans pitié. Merci à Max Abolin pour cette petite prod qui nous met l'eau à la bouche pour le retour de Nassourdine Imamov. On va commencer par ça, messieurs, sur cette carte de l'UFC 289 quand même. J'allais dire, on va commencer par le MMA français, mais même, je vais même dire francophone, puisqu'on a Chris avec nous, petit clin d'œil. Déjà, messieurs, c'est une opposition qui vous plaît. Chris, ce Nassourdine Imamov contre Chris Curtis, c'est un combat qui te plaît? Oui, moi je pense que c'est un très chouette combat parce que avec Chris Curtis, il y a toujours de l'action, comme le donne son c'est surnom. C'est clair, surnom bien prouvé. C'est un très très bon titre. Ouais, et c'est un très bon test pour Nassourdine Imamov pour prouver sa place dans le top 15, se rapprocher du top 10. Et je pense que stratégiquement, il y a pas mal de choses à faire pour bien s'illustrer. C'est un combat qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs à Ares 2 en avril 2020, mais c'était les événements annulés parce que c'était la période du Covid. Ça se serait fait chez les Welter d'ailleurs à l'époque, parce que Nassourdine était Welter et Chris Curtis aussi. Joe, pareil, ça te plaît cette opposition là pour Nassourdine à la relance? Oui, parce que Chris Curtis, c'est un bien meilleur combattant que ce que l'on peut croire. Faut pas trop regarder ses deux dernières défaites. C'est quand même contre Gastelum, c'était un peu controversé. Et la défaite contre Jack Hermanson, qui reste quand même un nom important de la division, même s'il est un petit peu sur la pente descendante. Entre temps, il met KO Joaquin Buckley, qui avait affronté Nassour à Paris. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est un combat qui est abordable pour Nassourdine, qui a un talent immense, et que c'est la plateforme pour le démontrer. C'est un combattant dont le style peut permettre à Nassourdine de montrer tout l'étendue de son talent. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'en plus, c'est un combat qui va avoir de l'importance, de l'incidence sur le classement de la catégorie. Donc c'est super, on a hâte d'y être. Oui, c'est le 12e contre le 14e, donc ça a une grosse incidence. Je le disais dans mon intro, pour le coup, Nassourdine peut sortir du top 15 en cas de défaite. Donc il y a un gros enjeu pour lui quand même, parce que ce top 15, il est important d'y être pour avoir les gros combats. C'est sûr ça? J'ai dit il peut. Ouais. Je t'ai pas dit de certitude, mais si tu perds contre le 14e, il y aurait une logique, en tout cas, si tu sors du top 15. C'est pas illogique, ce serait pas illogique. Tu peux inverser les spots aussi. Tu peux aussi être inversé, exactement, et être 14e ou 15e, mais c'est une possibilité, en tout cas. Déjà, vous avez vu, messieurs, vous avez vu les extraits du podcast de Strickland et Curtis de ce week-end? Ouais, j'ai cru. Chris, tu les as vus aussi?
J'ai vu un petit extrait, ouais. Et alors, c'est, enfin, voilà, on s'attendait pas à autre chose de la part de Sean Strickland et Chris Curtis, déjà quand on savait qu'ils allaient avoir un podcast, mais c'est un festival. Ils écorchent le nom de Nassourdine, ça parle de fucking Nassourdine, ça se moque de Cyril Gane, ils sont très chambreurs les deux, mais on s'attendait pas à autre chose quand même, hein. C'est un beau podcast quand même d'avoir réuni Strickland et Curtis. Ça peut avoir une incidence. Bah, moi, c'était la question que j'allais ouvrir là-dessus, messieurs. On sait, notamment Nassourdine Imahoff nous en avait parlé sur Joaquin Buckley en septembre 2022 à Paris, où il avait laissé Buckley rentrer dans sa tête un petit peu. Et c'est ce qui fait notamment qu'il veut trop chercher le chaos, qu'il veut trop l'éteindre, et qu'en troisième round, bah, ça se passe un peu moins bien pour lui, notamment au niveau cardio. Ça peut jouer. Ils peuvent rentrer dans sa tête, là, parce qu'à mon avis, cette semaine, les gars, à mon avis, dès que tu vas voir Chris Curtis, il y aura Sean Strickland dans son ombre, qui lâchera toutes les phrases qu'il peut lâcher. Est-ce que ça peut rentrer dans sa tête ? Bah oui, ça peut, parce qu'il a montré qu'il était déjà, il avait une propension à se laisser toucher par ce genre de choses. Après, voilà, Nassourdine, ça reste un combattant qui est relativement jeune et qui a le temps d'apprendre, qui a le temps d'améliorer certaines choses. Et ça fait partie des points d'amélioration, on l'a toujours dit. Nous, on nous dit, tous ses camarades d'entraînement nous disent qu'il a le potentiel pour devenir champion de l'UFC. Nous, ce qu'on a dit et qui a parfois été mal pris, c'est que pour l'instant, dans la cage de l'UFC, on n'a jamais vu ce potentiel-là. Ça n'a jamais été retranscrit en combat. Et là, c'est le moment de prouver qu'il est capable de passer les steps. Là, c'est un step psychologique de gestion de l'événement, de gestion du fait d'être face à un mec qui va être saoulant psychologiquement. Et c'est le mot test, je l'ai dit trois fois, mais c'est un très bon test. C'est un très bon test sur ce point-là. Chris, en complément de cette question-là, je voulais aussi, je vais apporter un petit complément. On a vu une interview de Nassourdine ce week-end chez nos amis de la sueur, et qui est titrée sur les haters. Où il dit « Je remercie mes haters », et il y a une partie de l'interview où il dit « Voilà, ça me booste aussi toutes les critiques que j'ai eues après Sean Strickland ». Est-ce qu'il peut mal aborder le combat psychologiquement par rapport à ça, Chris ? Je mets les pincettes quand je dis ça, parce que ça reste un combattant et que de toute façon, le cerveau et le mental, il l'a. Mais est-ce que chercher à faire taire les haters, ça peut rentrer dans sa tête aussi, comme le chambrage de Curtis et Strickland ? Ouais, je dirais que ça peut pas être un objectif premier. Son objectif premier, ça doit être de combattre pour lui, pour sa carrière et pour évoluer dans son jeu. Mais ça peut être une source de motivation secondaire, on va dire, de faire taire les critiques. Ça peut apporter un positif au même titre que ça peut apporter un négatif. Et je pense que ça peut apporter un positif uniquement si c'est secondaire et que sur son premier focus, on soit vraiment sur sa stratégie. Parce que comme la plupart des combattants du MMA Factory, Nassourdine est quelqu'un de cérébral qui a besoin d'un game plan. C'est peut-être pour ça aussi que sa dernière performance n'était pas au top, parce que c'était un last minute. Oui, oui. Ici, il a eu le temps de se préparer. Et je pense que c'est très, très important et primordial pour lui cette semaine de tirer le son de son combat contre Buckley, où Buckley est un peu rentré dans sa tête, de tirer leçon de son dernier combat où il n'y avait pas beaucoup de préparation par rapport au profil adverse, et de vraiment rester concentré sur sa stratégie, sur ce que lui peut amener dans le combat, et pas commencer à penser aux facteurs externes. Puisqu'on rappelle, hein, ce que tu rappelais, Chris, c'est que ce combat contre Sean Strickland, donc c'était 5 jours avant le combat, en janvier, Kelvin Gastelum qui devait affronter Nassourdine, forfait, ouais. Donc on le remplace en last minute, et puis le combat n'était même pas chez les moyens, il s'est fait à moins de 93 kilos dans la catégorie. Tu peux pas m'empêcher de penser que c'était une erreur, oui, d'avoir accepté. Et que c'était un point très important pour le déroulé du combat. Nassourdine, c'est pas le plus gros des poids moyens déjà. Il y a des gens même qui pensent qu'il serait encore plus fort s'il redescendait en welter. Ça, je sais pas après comment ça se passe. On n'est pas avec lui au quotidien, on connaît pas son poids de forme, etc. Donc c'est difficile d'en juger. Mais très franchement, quand on regarde une des meilleures performances de Nassourdine dans une cage, c'est quoi ? C'est contre Chabazian. Bon, il était ultra détendu, ultra relax, il était content d'être là, il n'y avait pas d'animosité vraiment, et c'est là où il a le mieux performé. Donc moi, ce que j'espère ce week-end, c'est de le voir dans ce même état d'esprit, d'être capable de gérer tout ça et d'être délié, relâché, parce que c'est vrai que techniquement, ce qu'on nous vend, ce que ses camarades d'entraînement nous vendent, on en a vu des bribes dans ce combat-là, quand il était relâché et délié. Donc je pense que la clé du combat, au-delà de la clé technique, ça va être sa capacité à justement aborder l'événement en étant relax, pas sortir de son game plan, comme Chris le soulignait, et de ce qu'il sait faire. Et c'est ça qui fait que le combat est excitant. J'allais y venir plus tard, mais on peut ouvrir ces deux dossiers parce que c'est intéressant comme t'ouvres la porte, Joe. Ce relâchement, Chris, c'est un des points essentiels, tu penses, pour Nassourdine? Parce qu'en effet, moi je répète, c'est tout ce qu'on nous répète depuis des mois, voire même maintenant des années. Tous ceux qui voient Nassourdine à l'entraînement, et nous on n'y est pas, nous disent à quel point
c'est une bête quand il s'entraîne. Et on veut bien les croire. Tous ceux, par exemple Taylor Lapillus, hein, notre camarade de RMC Sport, on l'a pas encore vu dans la cage de l'UFC. Est-ce que tu penses qu'il y a une question de relâchement et que plus un Nassourdine est relâché, plus il va régaler, entre guillemets? Oui, moi je trouve que Nassourdine, il a justement un peu les deux côtés. Il a ce côté très technique, très posé, très calculateur dans lequel il est très bon. Et puis il a aussi ce côté, je le dis chaque fois en souriant, il a ce côté vicieux. C'est pas du tout une insulte, mais il a ce côté, on sent qu'il a envie de faire mal à son adversaire. Et s'il arrive à calibrer, à être calculateur au moment où il doit être calculateur et à être vicieux au moment opportun, ça va être bénéfique pour lui. Surtout contre quelqu'un comme Chris Curtis, qui est plutôt dans l'échange, beaucoup dans la boîte, qui aime bien la bagarre, il faut aller le challenger d'abord sur une structure de combat plus contrôlée, un peu comme l'avait fait Hermanson contre Curtis, vraiment le frustrer dans un cadre contrôlé, et alors sortir un peu le côté chaotique, violent, au moment où Curtis est frustré et touché. Comment accélérer au bon moment, entre guillemets. C'est ça, il y a beaucoup d'athlètes qui ont cette capacité d'avoir un jeu mesuré, et au moment où ils sentent que l'adversaire est touché, ils vont accélérer, mettre le pied sur l'accélérateur, dans une certaine mesure, en gérant toujours le risque, mais c'est une forme de combat dans laquelle je verrais très bien Imavov s'épanouir. C'est intéressant ce que dit Chris, parce que tu vois, dans les échos que les gens nous ont donnés sur Nassourdine, c'est qu'il tapait très très fort. Oui. Je pense que c'est Mika Lebou qui m'a dit ça. Qui nous a dit ça, tu te rappelles, quand on l'avait reçu, il a dit qu'il tapait très fort et tout. Et au final, il n'a pas tant de finish que ça, quand tu regardes son record. Et je pense que c'est le point que soulève Chris, c'est que c'est la question de calibrer quand est-ce que tu essayes d'appuyer sur l'accélérateur pour terminer tes combats. Comment tu doses ton agressivité, ta méchanceté, ce côté vicieux que Chris décrit. Et ça, je pense que c'est des réglages qu'il doit sûrement travailler dessus. Mais en tout cas, face à Curtis, qui va amener le combat, qui va essayer de rentrer dans une guerre, c'est un très bon test, encore une fois. Et donc, on rentre là-dedans, on rentre dans la partie aussi technique de ce combat-là. Ça doit être quoi le game plan de base d'un Nassourdine? Être mobile, toucher sans être touché, toucher, sortir, Chris? Oui, totalement. En fait, moi, le combat sur lequel je me base énormément, c'est Jack Hermanson, pour la bonne et simple raison que, au même titre que Imavov, Hermanson est bien plus grand que Chris Curtis. Et on a senti Chris Curtis qui est très sanguin. Il est très impulsif. On le voit d'ailleurs sur les réseaux après ses défaites. Il sort pas d'une défaite facilement. Il est un peu immature, je dirais. Et donc, je pense qu'il est facile à frustrer. Et quand Nassourdine, tu es plus grand, tu es capable de garder quelqu'un au bout de ton allonge, de toucher, sortir, frustrer, toucher deux fois plus que ce que tu te fais toucher en retour. On prend l'exemple que Joe a donné juste avant, Imavov contre Shaibazan, il le touche 42 fois, il se fait toucher 22 fois en retour. Si on prend les statistiques de Hermanson contre Chris Curtis, Hermanson le touche 100 fois pile poil et se fait toucher 43 fois en retour. C'est le type de combat qu'on aimerait avoir. Hermanson, c'est pas un striker à la base, c'est un grappleur. Ouais. Donc si Hermanson est capable de faire ça sur Chris Curtis, je m'attends à ce que Nassourdine le soit tout autant. Et on a aussi eu cette séquence où Hermanson, dans le deuxième round, touche Curtis, accélère, mais il accélère mal. Il vise que la tête, il vise pas le corps. Et je pense que là, Nassourdine a vraiment une porte ouverte pour frustrer Curtis, trouver une ouverture à un moment du combat et venir même le finaliser derrière. Donc pour reprendre le contexte par rapport à ce que disait Chris, Nassourdine fait 1m90, Chris Curtis fait 1m77. Donc il y a un gros écart de taille pour le coup entre les deux. Joe, on est d'accord, on suit Chris? On touche sans être touché, on le frustre, et puis au moment où il est très frustré, on accélère au bon moment et on met le côté vicieux? Oui, clairement, mais encore une fois, c'est une question de gestion, c'est une question de gestion de rythme, de gestion du rythme du combat, et c'est exactement ça. Il faut qu'il reste à distance, il faut qu'il le frustre, il faut qu'au moment où il sente que Curtis commence un petit peu à se jeter, parce que Curtis, dès qu'il est frustré, il commence à être un petit peu maladroit entre guillemets. Ça, le combat contre Hermanson, comme Chris le soulignait, c'est une très bonne marque d'analyse, et je pense que Nassourdine peut le terminer à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est un combat qui est abordable pour lui et que, honnêtement, moi, je m'attends à ce qu'il le termine. Je m'attends à ce que Nassourdine le termine. Tu me connais, on va donner nos paris. On va donner nos paris à la fin de ça. Il y avait aussi le point que tu soulignais tout à l'heure quand tu parlais du poids, notamment contre un Strickland en janvier pour Nassourdine. Dans l'interview à la sueur, dont je parlais tout à l'heure, il dit, Nassourdine, qu'il va arriver plus lourd dans la cage. Qu'il a réfléchi à ça, qu'il est déjà plus lourd là en poids que par rapport à ce qu'il était dans ses combats d'avant à 10 jours du combat, tu vois, et qu'il, lui, il veut avoir un rebond qui lui permette d'être autour de 90 dans la cage alors qu'il était plus à 86, 87
85, peut-être même sur le combat d'avant contre un Strickland, par exemple. C'est une chose qu'il fallait faire pour Nassourdine, selon toi, puisque tu en parlais tout à l'heure. Je sais pas. Pour cette catégorie des moyens, tu vois. Oui. Où les mecs sont plus autour de ça, de 90 en fait. Je pense qu'il était quand même un petit peu trop léger par rapport aux adversaires qu'il rencontrait dans la cage. Après, faut pas se fier au combat contre Strickland parce que c'était un catchweight, etc. Mais moi, je suis toujours un peu mesuré sur la question du poids parce que faut voir la manière dont il gère le poids en plus. Est-ce qu'il perd pas en vitesse? Est-ce qu'il perd pas en agilité? Il dit que c'est là où il est le plus à l'aise. Il dit qu'à 90, c'est là où il se sent le plus à l'aise. Il faut qu'il fasse ce rebond qui lui permette d'atteindre 90, mais j'aimerais bien t'entendre, Chris, toi, là-dessus, parce que moi, à chaque fois qu'on me dit « ouais, être plus lourd, c'est mieux », j'ai toujours du mal un petit peu à savoir, et je trouve que c'est toujours un peu au cas par cas. Chris ? Ouais, je te rejoins, c'est exactement au cas par cas, ça dépend de ton style et ça dépend aussi du style de tes futurs adversaires. Donc je dirais que sur le long terme, par rapport à la structure de la catégorie de poids, c'est pas plus mal qu'il cherche à être performant à un poids plus élevé, parce que quand on regarde des Vettori, des Canonniers, même des Whittaker, ça peut être utile d'être un peu plus lourd, ne fût-ce que sur les séquences de grappling. Par contre, ici, par rapport à Chris Curtis, justement, je trouve que l'agilité, le déplacement, la finesse, la rapidité seront des attributs qui lui seront bénéfiques dans le combat. Donc voilà, après, on n'est pas dans le camp, donc c'est très difficile de juger. Je pars toujours de la spéculation que si tu prends du poids, tu prends normalement en force, mais tu diminues ta vitesse. Et dans ce combat-ci particulièrement, je pense que vitesse aura plus de valeur que force. Quand tu regardes les stats de Chris Curtis, il a tenté 0 takedown sur ses 7 combats à l'UFC, et il a 100% de takedown defense. Donc la lutte ici serait, selon moi, pas quelque chose qu'on doit regarder. Donc la vitesse aurait été très bénéfique. Mais... cependant, sur une vision long terme, je trouve ça pas plus mal qu'il commence à essayer de gagner en poids progressivement. On est d'accord qu'on va pas voir beaucoup de lutte a priori quand même entre Imavov et Curtis. On peut toujours en voir, un combat est un combat, on sait jamais comment ça tourne. A priori non, et puis on a vu sur les images qui ont fuité du camp d'entraînement, Nassourdine s'est entraîné beaucoup avec des boxeurs olympiques, en boxe anglaise. Cubain notamment. Voilà, et puis avec le défunt boxeur français aussi, malheureusement, celui qui s'est fait assassiner. Florentin. Mais après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne l'a pas vraiment vu à l'UFC, mais Nassourdine a un bon sol, il a beaucoup de force, ça encore, je crois que c'est Mikael Obou qui nous disait que c'était quand même assez impressionnant la saisie, le grip qu'il avait. Là, il a encore travaillé avec Reda Meptouch sur ce camp. Oui, et puis Reda m'a dit que Nassourdine n'était pas mauvais au sol du tout, donc ça peut être aussi une carte que tu peux sortir, enfin un outil que tu sors de ta boîte à un moment. Curtis, c'est pas un grappleur, même s'il a une bonne takedown defense, mais si Nassourdine se sent plus lourd, si Nassourdine se sent plus puissant, si Nassourdine sent qu'il a plus de force, pourquoi pas amener le combat au sol aussi, hein. Faut pas négliger ça. En tout cas, moi, ce que j'attends, et ça revient, hein, je reviens un petit peu à ce que je disais globalement, c'est qu'il faut que Nassourdine fasse preuve d'intelligence, et si l'intelligence, c'est de se sentir plus fort au clinch et en grappling et d'amener le combat au sol, faut pas se le refuser. Chris, sur ça, tu penses que s'il a l'occasion, il faut qu'il aille aussi sur ce terrain-là, Nassourdine, face à un Curtis? Moi, je le mettrais soit en stratégie B, si vraiment ça se passe pas bien debout, soit je l'intégrerais dans la stratégie A, mais juste pour varier, pour trouver des ouvertures, pour faire douter, plus d'ouvertures debout. Parce que quand tu regardes le combat de Curtis contre Rivera, contre Vieira, je pense que Vieira tente 20 takedowns, il en réussit 0. Il y en a 6 du côté de Jack Hermanson, il y en a 0 qui réussit. Et Nassourdine a peut-être un bon sol, mais je n'ai pas encore vu une lutte offensive vraiment du top niveau de l'UFC. Donc j'ai du mal à le voir amener Curtis au sol sur un takedown propre, et ça risque de le fatiguer aussi. Étant donné que ce n'est pas un grappleur de base, il risque de tous les deux se fatiguer. Et si les deux sont fatigués, là j'ai l'impression que Curtis va davantage rentrer dans le combat. La fraîcheur, la vitesse de Nassourdine, il va devoir la garder sur les 15 minutes. Donc je trouve que ce serait plus opportun au début de rester sur une stratégie uniquement sur le pied-point et d'avoir le grappling en stratégie B si le pied-point ne se passe pas comme prévu. Non, c'est ça, parce que ça peut être un avantage pour Nassour une fois que tu es au sol, mais il faut bien y aller. Alors, et là, je suis d'accord avec Chris, ça peut dépenser de l'énergie. Mais Vieira et Hermanson, attention, hein, c'est des takedowns de mecs du jiu-jitsu. Hein, c'est des takedowns foireux. Faut dire la vérité. Et c'est un homme du jiu-jitsu qui nous dit ça en souriant. Chris, tu vois ce que je veux dire quand je dis ça? Je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est là aussi la question. Est-ce que Nassourdine nous a déjà fait preuve de takedown de lutteur? Encore une fois, si on se fie à ce qu'on nous dit,
aux échos qu'on a des gens qui s'entraînent avec lui, apparemment, il en a largement les capacités. Après, c'est à voir en combat. Et dernier point, que je voulais aborder avec vous, messieurs, parce que je trouve quand même qu'il faut en parler. Nasourdine a été opéré de la cheville en février, après ce combat contre Sean Strickland. Il a repris l'entraînement fin mars, début avril, si j'ai bien compris, selon les stories sur les réseaux sociaux. C'est un risque de prendre un combat aussi vite ? C'est trop rapide, Joe ? Non, parce que c'est un combattant qui est actif. Il est quand même resté très actif ces dernières années. C'est le plus actif depuis l'UFC Paris, par exemple. Le rythme, il l'a. C'était une opération qui n'était pas non plus une opération hyper compliquée, de ce qu'on a compris. Donc non, c'est très bien. Et puis, on le connaît. On l'a reçu une fois. Et c'est quelqu'un de très réservé, très timide. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti quand je lui parlais, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé. Oui, et je pense qu'il a toujours en travers de la gorge ce qui s'est passé. Face à Strickland, il a toujours en travers de la gorge sûrement le fait de pas avoir donné le meilleur de lui-même contre Buckley. Je pense qu'il avait besoin, psychologiquement de vite revenir pour remettre les points sur les i. Donc moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Tu vois, si on avait parlé d'un combattant qui était peu actif, etc., à la rigueur, mais là, on parle d'un mec qui combat minimum 3 fois par an. Ouais, bien sûr. Chris, là-dessus, tu as un petit mot sur cette opération? Je rejoins Joe. Pour moi, ce n'est pas trop tôt. J'imagine qu'il y a une équipe de kinés et tout derrière. Ouais, bien sûr. Je pars du principe que la revalidation a été faite correctement. Le combat est annoncé depuis assez longtemps. Je ne le vois pas signer un contrat alors qu'il n'est pas capable de s'entraîner à 100%. Donc, je crois qu'il sera prêt. Et mentalement, Imavov, j'ai aucun doute sur ses capacités à être déterminé pour performer de manière optimale. Non, ça, il n'y a pas de souci. Je rejoins totalement ce que dit Joe. Quand on l'a reçu, quand on lui a parlé, même en off, même au-delà de l'émission, on sent la mentale et la détermination, il l'a, ça, il n'y a pas de souci. Il est calme, mais tu sens que il est déterminé. Le faux calme, ça boue à l'intérieur bien fort. Messieurs, pronostic, samedi soir, UFC 289, Vancouver, Canada, Nasourdine Imavov, Chris Curtis, qui gagne, comment ? Chris ? Nasourdine par TKO dans le deuxième round. Nasourdine KO au troisième. Eh ben j'avais Nasourdine KO 3ème aussi. Sur une combine en anglaise. Eh ben écoutez, on a 3 sur 3. Voilà. Mais une bonne combine en anglaise en contre. On a 3 sur 3. Donc, allez Nassou, ramène-nous cette victoire pour relancer et te repartir vers le top 10. Parce que je pense que sur les qualités, c'est quelqu'un qui mérite d'être dans un top 10 à l'UFC. Nasourdine Imavov. Il a 28 ans. Tout à fait. Ça en a tendance à l'oublier. Les gens ont tendance à oublier. Ouais, on passe au deuxième gros combat qui nous intéresse sur cette UFC 289. Charles Oliveira, Benel Dariush. Ah. Alors messieurs, donc ce Oliveira Dariush, le retour, hein, on contextualise, retour de Charles Oliveira, on l'avait laissé en octobre dernier à Abu Dhabi avec cette défaite contre Islam Makhachev qui lui a pris son titre des légers. Benel Dariush, on est sur 8 victoires de suite, hein, on rappelle. C'est un combat entre le 2 et le 3 qui devrait déterminer possiblement le prochain adversaire de Makhachev pour Abu Dhabi. Revanche contre Oliveira ou title shot pour Dariush. Déjà, on va s'éclater dans ce combat, non, quand même. Ce combat, il devait être à l'UFC 288. On rappelle, il a été reporté. C'était Oliveira qui a fait reporter le combat. C'est excitant, quand même, comme combat, Chris. Hein. Ah, moi, j'adore vraiment sur... mon côté fan adore. Ouais. Par contre, j'aime beaucoup les deux et j'ai envie de voir aucun des deux perdre. Donc, il y aura aussi une difficulté à regarder le combat. Je suis un peu pareil que toi sur ça. J'adore les deux, quoi. Joe, ce combat, il t'excite comme oui, nous. Alors déjà, juste pour te dire, je pense que c'est si Dariush gagne, il a le title shot. Si Oliveira gagne, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas, parce que je pense que Makhachev peut aussi, si Oliveira gagne un rematch, il peut aussi faire le rematch contre Volkanovski si Volkanovski se débarrasse de Rodriguez. Ouais, en plus, ce serait le rematch à Abu Dhabi au même endroit. Je ne suis pas sûr que ce soit... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Alors, écoute, après, je pense que c'est un des combats qu'on attendait le plus, parce qu'en termes d'affrontement, d'opposition de style, de série de victoires chez les poids légers, c'est quand même exceptionnel. On va avoir un combat d'élite entre deux combattants d'élite. Je trouve que ça très très bien que Dariush ait enfin la lumière qu'il mérite. Ça fait quand même des années qu'il est dans le roster de l'UFC. Ça fait des années qu'on sent qu'il peut s'approcher de ce niveau-là, de la ceinture, mais qu'il y a toujours un petit pas en arrière, il y a toujours le fait qu'il disparaisse un petit peu. T'as envie qu'il y arrive, je te jure, t'as envie. T'as le côté un peu bon père de famille qui n'est pas forcément non plus ultra vendeur. Le fait quand on lui laisse le micro pour dire qui tu veux affronter la prochaine fois, il parle d'Elon Musk, tu vois. Il y a ce côté un peu, tu vois, où il n'a pas non plus fait tout le travail médiatique, mais là, il a enfin ce qu'il mérite, donc c'est cool. Et puis dans la cage, ça va être un festival. Ouais, Chris, qu'est-ce que t'attends le plus techniquement de ce combat, de cette opposition Oliveira Dariush ? Il y a moyen de s'éclater, ouais. Hein, notamment au sol.
Ouais, moi, c'est plutôt l'approche de Dariush qui m'intéresse. Parce qu'en fait, Oliveira, on sait comment il va arriver. C'est un combattant qui est limite 100% offensif. Donc, on sait un peu ce qu'il va chercher à faire. Et Dariush, par le passé, c'est quelqu'un qui, par exemple, contre Tony Ferguson, a voulu gérer l'agressivité de Tony Ferguson en bloquant, et je mets des guillemets à bloquer, le combat. Par contre, face à un Holtzman, par exemple, il a complètement accepté la situation chaotique et il est rentré dans une bagarre aussi. Donc, je pense que Benil Dariush, il a deux voies pour ce combat. Je crois qu'il y en a une qui va plus le rapprocher d'une victoire, celle d'essayer de contrôler l'agressivité de Charles Oliveira. Mais je suis vraiment très curieux de voir comment il aborde stratégiquement le profil du Brésilien. Pour moi, c'est debout le plus gros danger, paradoxalement, parce que je pense que Oliveira est très fort debout, mais il a quand même une défense qui est un petit peu poreuse. Hein. Poreuse, ouais. Il est très propre techniquement, mais défensivement, il y a quand même la mâchoire bien dans l'air, etc. Parce que il a aussi ce côté, je me jette à fond dans l'action, parce que si on m'amène au sol, ça m'est égal. Ouais, sauf que là, faut pas oublier une chose, c'est que Dariush, il tape comme un sourd. Il tape très très fort, il a beaucoup de puissance et ça peut être un problème pour Oliveira, même s'il se prend pas un TKO au moment où ça arrive au sol, comme contre Makhachev, il peut être un petit peu à moitié sonné et faire n'importe quoi. Et puis au sol, moi je pense que Dariush, c'est l'antidote, le remède parfait pour tenir tête à Charles Oliveira, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a ce gros background de jiu-jitsu brésilien. Elle était champion du monde plusieurs fois dans les ceintures colorées. Donc je pense qu'il sera très dur à soumettre et que Oliveira peut le prendre dans sa garde. Et j'ai du mal à voir Charles Oliveira réussir à soumettre Dariush, à part s'il arrive à prendre son dos. Et ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est la puissance. C'est la puissance physique qu'a Dariush. Et on sait que le remède ultime contre un mec qui fait du jiu-jitsu et qui est bon sur son dos, c'est d'avoir beaucoup de puissance et une très bonne base. Et ça, Dariush, il a. Donc, il a la puissance qu'ont les lutteurs, et puis il a aussi la technicité du fait d'avoir beaucoup, un gros palmarès en jiu-jitsu brésilien. Donc, c'est un combat qui est extrêmement intéressant, mais paradoxalement, au sol, pour moi, c'est un peu moins équilibré que ce qu'on pense. Ouais. Chris, tu veux rebondir là-dessus ? Bah, moi, je rejoins Joe. Je pense que si Benil Dariush obtient le contrôle et prend une position au-dessus, il n'aura aucune difficulté à gérer le jiu-jitsu de Charles Oliveira. Si Charles Oliveira amène au sol et prend une position du dessus, il a peut-être des ouvertures, notamment pour aller chercher le dos et menacer des étranglements. On a vu un Michael Chiesa qui est parvenu à ses fins contre Dariush, donc rien n'était impossible. Mais contrairement à des Dustin Poirier ou à des Chandler ou même Justin Gaethje, s'il y a un knockdown et que Dariush suit Charles Oliveira au sol, je pense que ça va donner une structure comme on a vu contre Makhachev. On va voir un gars qui a sonné Charles Oliveira debout et qui va pouvoir aller le suivre au sol sans s'exposer, sans prendre de risque de se faire retourner. Et je sais pas, hein, c'est peut-être une impression, mais moi, même si Oliveira est au-dessus de Dariush, j'ai du mal à voir Oliveira réussir à passer la garde de Dariush, parce que Dariush a trop de background technique pour justement se défendre. Ouais, techniquement, ça peut tenir le choc largement. Mm-hmm. Cependant, ouais, je pense qu'il n'y aura pas spécialement de grosses menaces, mais si tu prends le top contrôle en MMA, 95% du temps, pardon, je parlais français, 95% du temps, tu vas prendre le round parce que les juges sont encore là-dessus. Ah, donc, ça, bien sûr, oui. Si Tony Ferguson amène au sol, même s'il n'arrive pas à menacer avec des réelles soumissions, mais qu'il envoie quelques frappes et qu'il ne se fait pas trop toucher en retour et qu'il ne se fait pas menacer lui-même par des soumissions, il prend les rounds. Donc, dans cette mesure-là, pour Benil Dariush, il doit refuser les amener au sol. Après, attends, Chris, chose qu'il fait par défaut. Je te coupe, mais t'as sûrement une meilleure mémoire que moi, mais est-ce que t'as déjà vu Oliveira en top position balancer du ground and pound? Non. Enfin, pas du vrai ground and pound qui amène vers un finish. Ah, ouais, du gros dégât, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, il est plutôt axé sur la recherche de passage de garde et de soumission. Mmh. En tout cas, Chris, on l'a entendu, ton nonante, hein, t'inquiète. Ouais, c'est... Ouais, ouais, non, c'est pour ça qu'on l'a invité. C'est bon, maintenant qu'il a dit, je peux pas dire. Du coup, on est d'accord sur un point, c'est que la clé du combat, elle va être debout. Oui, oui. Pour moi, c'est celui qui prend l'ascendant debout qui va probablement dominer le reste du combat, parce que je pense pas que Tony Ferguson aura vraiment de belles ouvertures pour amener au sol, et je pense pas que Benil Dariush va s'aventurer sur des amenés au sol tant qu'il n'est pas mis en difficulté debout. Donc ça va vraiment se jouer sur comment Dariush gère l'agressivité, le côté offensif de Charles Oliveira dans les structures de striking. Ça, et puis en catch control aussi,
parce que je pense que Darius va avoir un très gros avantage de par son gabarit au clinch, non? Mmh. Oui, je pense que Darius a un peu une puissance, peut-être pas sous-estimée, mais quand tu regardes son avant-bras, c'est juste la prolongation de son biceps-triceps, un peu comme Lazy King Abdul. Ouais. Je crois que si tu lui serres la main, tu repars pas spécialement avec une main entière. Ouais. Dernière question, messieurs, autour de ce combat plus général, on va dire, mais Charles Oliveira, il va avoir 34 ans dans quelques mois. C'est son 44e combat pro de MMA. On sait le parcours qu'il a depuis des années à l'UFC. Est-ce qu'on peut être au moment de bascule, vous savez, vous regardez, vous êtes assez des anciens du MMA comme moi pour savoir qu'il y a des fighters, il y a un moment tu vois un combat et tu sens qu'il y a eu la bascule, ouais. Et qu'ils sont sur la pente descendante, c'est-à-dire, et que c'est la fin de carrière. Je pense que Darius peut être le Tony Ferguson de Charles Oliveira. Oui, est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, moi, il y a un truc dans ma tête qui me dit que c'est peut-être jouable et que la défaite contre Islam a peut-être été le point de bascule de sa carrière. C'est difficile à dire. C'est de la projection et c'est de la supputation. Le problème, c'est que la défaite, elle reste face à Makhachev et c'est pas n'importe qui. Non, je suis d'accord. Et il restait quand même sur des performances de très très haut niveau. Après, il y a des petits signes, hein, tu vois, même contre Gaethje. Alors, il le termine parce que Gaethje est nul, faut dire la vérité. Il est nul quand le combat touche le sol. Mais il se fait quand même beaucoup toucher et c'est surtout quelqu'un qui prend beaucoup de dommages. Donc on sait jamais, mais c'est trop tôt pour lui. En tout cas, on le saura sur ce combat. C'est ridicule comme supputation, Chris, parce que ma tentative là. Non, parce que ça reste une supposition en fait. Tu peux clairement te dire que c'est pas impossible. On peut pas dire que c'est d'office le cas. Non, mais, c'est clair. C'est effectivement, clair. Charles Oliveira, il a fait beaucoup de guerres et au-delà des guerres pendant les combats, ça reste quelqu'un qui vient du shootboxing aussi, donc c'est quelqu'un qui à l'entraînement fait beaucoup de guerre et tu peux pas durer sur la longueur, sur la distance comme ça. Ça se trouve ça va craquer maintenant, ça pourrait craquer dans 2 ans, ça pourrait craquer dans 3 ans, mais c'est pas une mauvaise supposition. Je pense que ça pourrait être le moment de bascule comme tu dis. En plus de ça, on peut rajouter aussi qu'il fait beaucoup de cuts très difficiles. Quand il était en featherweight, il a beaucoup raté la pesée. On a vu pour Makhachev, il a eu du mal à faire le poids. Rappelle la photo, la photo en Jésus là, au milieu de la fameuse terrasse, photo. Ouais. Donc son corps, il passe par pas mal d'épreuves. Ça peut craquer. On peut spéculer dessus, mais c'est ni une certitude ni une trop faible probabilité. C'est un peu entre les deux. Bon messieurs, moi j'ajoute un point. Tu sais que j'adore Charles Oliveira. Je sais. Mais j'ai l'impression que depuis quelque temps. C'est un petit peu dispersé aussi, hein, dans ses à côté du combat. C'est normal. Hein, c'est devenu une star, en fait. Non, mais c'est, évidemment, ouais. Mais c'est le vrai Brésilien des ghettos brésiliens qui a touché le pactole. Et il a ses écuries de course, ses chevaux, il vit la belle vie, il dépense beaucoup d'argent, etc. Et attention de pas avoir perdu ce qui fait que t'es arrivé au sommet, justement. Le petit truc dans la tête qui fait que tu l'as plus. Prono, messieurs, sur ce Oliveira Darius, qui gagne comment, Chris? Alors moi j'ai un Darius à la décision. Avant que tu parles Joe, puisque j'ai la même, j'ai Darius à la décision. Joe. Moi j'aimerais que Oliveira gagne quand même, tu vois. Donc je vais dire sans trop y croire, Oliveira par soumission au 3e round. C'est bien, quoi. Au moins on n'aura pas dit deux fois le même prono. En fait s'il le soumet, je vais te dire comment il le soumet même. C'est un échange debout, arm drag, prise de dos, il prend le dos en étant debout comme contre Poirier. Bon bah on verra. On voit que cette manière-là pour Oliveira d'arriver à se mettre Darius. On verra ce week-end si c'est Mystique Joe Mac pour la prédiction et qui sait même comment il va le soumettre. Je vous ai pas fait de mots sur Amanda Nunes et Irene Aldana, hein, le main event, parce que le vrai main event c'est Darius Oliveira, on va pas se mentir. C'est clair. Le seul truc que j'ai à dire c'est que moi, pour le coup, je préfère ça que Julien Apeigny à 3. Tu vois, ça change un peu parce que cette catégorie bantamweight féminine, elle imagine est le nombre de Mexicains après. Massacré. Ah bah ça peut être 3 champions mexicains pour le coup. Pour le coup, le Mexique peut faire très fort si Aldana crée la surprise contre Nunes. On a fini sur cette UFC 289. J'avais 2 petits autres thèmes à aborder avant de finir cette émission avec vous, messieurs. Je voulais juste qu'on dise un mot quand même, parce que j'en ai parlé dans l'intro sur la déception pour Saladin Parnasse, rappeler ce week-end. Alors quand je dis déception, c'est plus frustration. Il devait affronter Marian Zolkowski pour devenir double champ au KSW, champion des légers, après avoir été champion des plumes. C'était au Colosseum 2. Je sais, Chris, j'ai vu passer tes messages sur les réseaux ce week-end déjà. Et quel événement extraordinaire, 50 000 personnes dans un stade, du son et lumière, les mecs qui rentrent comme des gladiateurs. Incroyable événement du KSW, si vous avez l'occasion de revoir un Colosseum, à mon avis allez-y, parce que ça se voit une fois dans une vie, c'est clair. Et donc Marian Zolkowski qui s'est
fait le genou à l'échauffement, 30 minutes avant le combat, 30-40 minutes avant le combat, et le combat a été annulé. Et on a donné à Saladin sa ceinture dans l'octogone, mais sans se battre. Il était au milieu de l'octogone, devant tous ses spectateurs, sans se battre. Immensément frustré, ça se voyait sur sa tête. Il dit même à notre micro, il n'y a rien de positif, même si je suis double champ. Ce que je voulais, c'était combattre. Sur le plateau, on avait son frère Samir Parnasse sur le plateau de RMC Sport qui disait que Marianne a eu peur, et que selon l'entourage de Parnasse, disait qu'il avait eu peur et qu'il s'était écharpé au dernier moment. Un mot, les gars, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette frustration pour Saladin? Moi, j'y crois pas au côté de la peur. Je pense qu'il s'est vraiment fait le genou. Par contre, je pense que le genou, il se l'est peut-être fait pendant le camp d'entraînement et qu'il a essayé jusqu'au dernier moment et qu'il a vu que ça passait pas. Mais je pense que vu l'importance du combat, l'importance même du chèque qui pouvait toucher Marianne, l'importance pour le KSW, c'était le deuxième Colosseum après 2017, c'était le co-main event. Je vois pas Marianne avoir fait caca dessus, pour parler crûment. Je pense qu'il s'est vraiment froissé le genou, mais c'était peut-être antérieur à l'échauffement simple. Chris? Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas envie d'alimenter ce narratif. Ouais, non. Il a pris peur, il a fait plus que 30 combats professionnels. Il est champion du KSW avec 3 défenses. Donc, il est allé dans des combats importants. Certes, ça aurait été la première fois dans un stade de 60 000 places. Mais je pense qu'il s'est réellement blessé. Alors, peut-être que c'est une fracture de fatigue. Peut-être que c'est lié à du surentraînement. Mais voilà, il reçoit un peu trop d'insultes. Je comprends, hein, il y a une énorme frustration qui se crée. On voulait tous voir Saladin combattre. On voulait tous le voir prendre la ceinture à Marianne. Mais bon, c'est malheureux, ça fait partie du sport, c'est très rare que ça arrive comme ça. Mais ouais, je n'y crois pas une seconde que c'est par peur qu'il a refusé le combat ou qu'il a simulé une blessure à 30 minutes de devoir rentrer dans la cage. Ouais, c'est pour ça que moi je disais ça tout de suite en intro, Chris, parce que j'y crois pas du tout, et ce narratif avec les gens qui insultent sur les réseaux, bon, comme d'hab, hein, mais bon, ça... La peur, il l'a eu, il a eu peur de Saladin, mais les fois d'avant, oui. Les annulations d'avant, là je pense que c'était vraiment un peu de peur. Et puis c'est Hatch, le manager de Salah, qui le dit très bien, c'est juste qu'il a eu peur et qu'il s'est dit, il va falloir du temps pour faire un gros training camp pour affronter quelqu'un comme Saladin. Et oui. Je pense qu'il a fait un très gros training camp et que ça a fait des dégâts, il y a une, cette blessure qui est arrivée. Donc bon, maintenant, allez, ça suffit, il y a eu trop d'histoires entre les deux, on passe à la prochaine. J'espère que Saladin va combattre très vite. Je sais pas si tu as eu des échos, j'espère qu'il a été payé. Il n'y avait pas encore d'écho, je dois te l'avouer. J'espère qu'il a eu sa bourse, ça sera quand même, oui. Quand même la moindre des choses. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, faut oublier Sokolski. Non, mais clairement. Et puis, non, mais comme tu dis, je pense, ce camp d'entraînement, il a pu. Je te dis, ça ressemble vraiment beaucoup à un mec qui se fait le genou pendant le camp, qui essaye quand même, qui vient quand même, et puis qui réalise à 30 minutes. Et je pense qu'il se fait le genou parce qu'il a peur. Que voilà, c'est plus possible. Mais pas une peur négative, mais parce qu'il savait que face à lui, il allait falloir taffer pour arriver à faire quelque chose contre Salah. En tout cas, on vous dira dès qu'on aura des infos, notamment sur ça, est-ce que Saladin prend sa bourse, parce que ce serait plus que mérité qu'il ait au moins 100% de sa bourse, ça c'est évident. Et il sera de retour. Connaissant le KSW, je pense qu'ils ont payé au moins partiellement. Au moins partiellement. Yes, merci pour cette précision, Chris. Et ça là, on le reverra très vite dans la cage, puisqu'il est déjà booké par le KSW pour le 15 juillet. Au moins, ils ont réagi vite. Première défense de sa ceinture des légers, on verra contre qui. Et on va aussi parler, Joe, de petites minutes de ton combat quand même, jeudi dernier à l'AEF. Donc Joe, t'étais face à Abdul Malik Bayo, le petit frère de la famille Bayo. C'était ton deuxième combat à l'AEF, on rappelle l'AEF, hein, la grande organisation, la meilleure organisation de combat amateur en France aujourd'hui. Chris, désolé, même si je sais que t'as participé à la Sueur FC au premier événement en matchmaker, et c'était un bel événement aussi, mais je pense que AEF, c'est ce qui se fait de mieux en amateur en France pour l'instant. Joe, donc défaite par étranglement. T'as failli lui mettre une clé de talon quand même, qui a fait un peu parler sur les réseaux. Je sais que je te connais assez pour savoir que t'aimes pas le truc de l'important c'est de participer, et bravo Joe parce que t'es monté dans la cage, mais quand même bravo Joe parce que t'es rentré dans la cage face à un talent comme Abdul Malik Bayo. Il a 18 ans et à mon avis il a de l'avenir, ce petit. Juste une petite réaction Joe, t'es dégoûté, je pense que t'es toujours dégoûté. Mais je suis dégoûté, et tu sais qu'une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai pensé à toi. J'essaie. Je me suis dit, merde, pour le podcast, ça fait chier. C'est moins crédible. Non, mais bien sûr. Après... J'entends Chris rire, parce que tu vois, mais oui, je connais Joe, je suis sûr qu'il a pensé à ça. Mais bien sûr. Après, évidemment, j'ai eu beaucoup de réactions ridicules, plus ridicules les unes que les autres, mais je vais même pas revenir dessus. Lui et moi, on a combattu. C'est lui qui dit qu'il était à deux doigts de taper. Moi, j'ai senti que je l'avais à un moment. Et puis, chapeau à lui, parce qu'il il a serré les dents, il est sorti. Et puis après, c'est moi qui fais. Je me sentais trop en confiance.
Je me suis dit, la première, elle n'est pas passée, la deuxième, elle n'est pas passée, la troisième, elle passe. Et je sentais que j'avais plus de force, etc. Et j'ai fait une erreur technique débile. Il a capitalisé direct parce qu'il est très, très fort pour son âge, etc. Il est très, très fort. Et il m'a pris le dos et puis c'était fini. Et puis, il était propre techniquement. Ce à quoi je m'attendais, il était très fort. Je sais que son clan, entre guillemets, a mal pris le fait que je dise que je pouvais être son père parce que j'avais le double de son âge. C'était plus un truc pour me moquer de moi-même. Ouais, en fait, exactement. C'est dommage d'avoir mal pris ça. Et c'est dommage surtout d'avoir cru que j'avais demandé à affronter Abdul Malik parce que je voulais me faire un buzz ou parce que je pensais qu'il était mauvais. Non, j'ai demandé à affronter Abdul Malik parce que je trouve que c'est un très bon jeune combattant. Donc écoute, c'est une expérience qui est amère pour moi. En tout cas, pas que chez les combattants, mais chez les sportifs globalement, il y en a qui feraient bien de s'inspirer parce que t'es bon dans l'autocritique, dans la façon d'analyser le fait d'avoir fait des erreurs ou quoi. C'est... Après, on a les images, donc tu vois. Revanche à la EF4 en octobre C'est Willy qui m'a tout de suite dit ça. Moi, c'est ce que je veux. Après, on verra ce que lui fait. Je sais que lui, il a des échéances importantes. S'il veut faire les Worlds, je sais pas trop quand c'est. Je sais qu'il veut passer en MMA. J'ai vu le soir qu'il avait demandé à affronter un des 61 kilos en MMA. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux la revanche. Après, ça dépend pas que de moi, mais en tout cas moi c'est ce que je veux et Willy l'a accordé. Chris, je vais finir sur toi et puis on bouclera l'émission. Je sais pas si t'as vu le combat de Joe pour le coup, mais juste moi je voulais te demander, de toute façon tous ceux qui rentrent dans la cage, les combattants, et on le répète depuis des mois et des années dans cette émission, Chris, de toute façon immense respect à tous ceux qui combattent, on est d'accord? Ouais, en fait tu me coupes l'air sur le pied, c'est exactement ce que j'allais dire, donc respect à tous ceux qui montent dans une cage et encore plus ceux qui ont une exposition médiatique, et j'en parle très souvent, mais aujourd'hui, en 2023, c'est aussi important pour n'importe quel combattant de travailler un peu son marketing. Hein. On parlait de Darius tout à l'heure, qui ne le fait pas du tout. Mais non seulement c'est du temps, de l'énergie, mais ça rajoute aussi du risque, parce que tu sais que les retombées négatives seront d'autant plus chargées. Donc, respect à Joe, parce qu'il n'est pas du tout obligé de faire ça. Mais il le fait par amour pour le sport, j'imagine, et parce que il a envie de le faire. Il prend pas les challenges faciles. Donc c'est un sport qui se joue sur des millisecondes, sur des détails, sur des millimètres. Ici, ça a pas été dans son sens. La fois passée, ça a été dans son sens. Et quand j'entends qu'il veut prendre une revanche, je trouve ça, ça inspire évidemment le respect. C'est plutôt inspirant parce que c'est pas tout le monde qui demanderait à revenir dans une cage face à quelqu'un qui vient de nous battre. Non, et qui sera sûrement plus fort au mois d'octobre, parce que moi je savais pas qu'il avait 18 ans, mais c'est quelqu'un qui progresse physiquement et techniquement à cet âge-là, c'est des progrès. Et puis surtout, moi honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que j'ai perdu et je l'ai dit, je me sens comme une grosse merde. Et Alex, tu sais que je me sens vraiment minable, mais je suis content d'une chose, c'est que Willy Sirop de l'AEF fait un super boulot, mais je pense que si on parle autant de son taf, j'y suis peut-être pas pour rien. Et si ça peut permettre de mettre de la lumière sur le travail de Willy, sur les combattants amateurs qu'il fait combattre justement, c'est cool. Il y avait beaucoup de Belges qui ont fait une razzia, Chris. Je sais pas si t'as vu ça. Les talents belges étaient là. Non mais en tout cas, oui. Bonne soirée de merde, Malik, le frère d'Abdoul, de qui je suis assez proche, a perdu. On n'était pas très bien après, on va pas se mentir, on était très déçus. Voilà, écoute, rendez-vous moi, docteur. En tout cas, Chris, t'as bien raison, parce qu'on le voit, oui, quand t'es personnage public, tu reçois un backlash, comme on dit, une fois que t'as une défaite. Mais pas bon, toujours, c'est pas toujours très heureux. Non, mais je voilà, sais pas ce que t'en as pensé, mais. Écoute, c'est le jeu, en tout cas. Merci, Chris, merci beaucoup pour ta présence, Chris, pour cet épisode du Fighter Club, pour ces présentations de l'UFC 289. Merci, Joe, aussi pour ta participation. Et la chaîne. Plein de force à envoyer à Nassourdine Imavov, bien entendu, pour son combat contre Chris Curtis ce week-end à Vancouver, au Canada. Abonnez-vous sur RMC Sport si vous voulez voir ce combat, bien sûr. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Nous, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous fait avancer. Joe, tu voulais rajouter? Non, j'ai la chaîne de Chris aussi. La chaîne, oui, bien sûr. Elle la chaîne, ah oui. Oh, mais merci, parce que je l'avais noté en plus sur mon conducteur en haut. Fight Minds, la chaîne YouTube de Chris Guénacht. Alors, pour le coup, allez-y, c'est du contenu de qualité. Toutes les vidéos sont géniales. N'hésitez pas, allez sur cette chaîne YouTube et régalez-vous, parce que c'est un plaisir. Et en plus, il envoie, hein. Il y a de la production, ça envoie de la vidéo. Donc, allez-y et regardez le travail de Chris, c'est juste génial. Merci à tous une nouvelle fois et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.